Où est les sorciers? Hein? On n'est pas encore fait la délivrance de tout ça? C'est toi qui lâches là. Viens ici. On attend tout ici. Comment tu danses quand tu viens dire lâche? Lâcher, mais c'est pas joli. Maintenant pour les sorciers. Hein? On n'avait pas encore fini sa délivrance. Ah, j'attendais les instructions. On t'écoute, on va finir la délivrance. Pendant que vous dormez, elle est venue faire des bêtes sur ton visage. Vous sorcier, quelle chance il va avoir? Animons les petits enfants. Hein? Animons les enfants. Pas, tu veux pas parler ou pas? Et tu as fait quoi? Ta voix est partie. Je suis sorcière. Bien sûr. Hé, laisse le micro. Si tu as mal de parler, on va donner à quelqu'un d'autre. Je suis sorcière. Qui a tué 8 personnes. Tu as marre de parler là. Je n'aime pas. C'est comme si tu forçais pour parler. Bien sûr, je suis sorcière. J'ai tué 8 personnes. La première, c'est la grande, c'est la petite soeur de mon grand-père. Vous êtes tout sorcier. Le deuxième. Je ne connais pas Naka Chichen. Il n'a qu'à quitter. Hé, je ne t'ai pas demandé. Je parle à ceux-là. Je les ai trouvés là, c'est pas moi qui les ai forcés d'être ma soeur là, n'est-ce pas? Donc je dis, celui qui dit qu'il n'est pas sorcier, il n'a qu'à quitter. Vous pensez quand vous allez venir vos parents, si on va jouer avec eux? Et puis c'est pas à moi de... Quand vous voyez vos parents, s'ils sont sorciers, c'est pas à vous de me dire, faut dire qu'il est sorcier, faut dire qu'il n'est pas sorcier. Non, vous pouvez pas m'apprendre mon travail. Ils sont de fausses personnes. Celui qui veut être délivré... Il déclare sa sorcellerie, on le délivre. Parce que la délivrance, ça se désire. Si tu veux, Dieu te délivre. Pourquoi les sorciers sont, Dieu les voit, ils sont en train de faire la sorcellerie, Dieu dirait. Voilà, ici, c'est pas de l'amusement. Oui? Je suis sorcier. J'ai tué 8 personnes. La première, c'est la petite soeur de mon grand-père. Bête là, c'est nous, on veut entendre ça. Comment tu fais, tu donnes sorcellerie et prostitution là? C'est ce qu'on veut entendre. Ma tante était couchée. La nuit, elle était couchée. Donc j'ai prononcé son nom 3 fois. Donc j'ai pris son âme pour partir dans le royaume de la sorcellerie. Dans le royaume. Dans le royaume de la sorcellerie. Donc j'ai pris son âme pour partir dans le royaume de la sorcellerie. Donc moi je lui ai dit, à qui t'as dit, toi tu vas sortir de garçon. Donc il a lâché son visage. C'est lui qui l'a laissé partir. Comment tu appelles? Je me suis abaissé. Je me suis abaissé. Comment? Je me suis abaissé. Que tu appelles tout. Donc tu as tout gâté. Les sorciers sont dangereux. D'autres c'est dans la nuit, se met les gens. D'autres ça est pète. On est foutu. Ils ont lâché sur ton visage. Mais tu es gâté la vie. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est devenue prostituée. Elles sont des casse-gas. Vous voyez comment la sorcellerie peut chambouler, ça dit gâter votre vie. Une fraction de seconde. Il y a des choses que vous n'arrivez pas peut-être à comprendre. Mais ça vient de la sorcellerie. Voilà. Et après ça, qu'est-ce que tu as fait? Et après ça, j'ai gâté son argent. Tu as fait quoi d'autre?
Et j'ai tué le fils de la rivale de ma tante. La grande ma maman. Mon fils. Je l'ai tué. On veut savoir comment tu tues. Il dormait, donc je me suis transformé en serpent. Donc je suis rentré par le trou de la porte. Donc je suis rentré dans la chambre. Et je suis retourné sur son cou. Je ne pouvais pas. Donc je suis détaché. Je suis venu sur son bas-ventre. Ça, je peux plus le tuer. Coupez les téléphones, s'il vous plaît. Coupez tous les téléphones. C'est là que je me suis emballé sur son bas-ventre. Est-ce qu'il arrive à le tuer? Deux jours après, m'appeler pour dire. Mes amis du village m'appelaient pour dire qu'il est mort. Que Cacao est mort. Comment l'appelle? Nous l'appelons Cacao dans le village. Parce que son charge, son papa charge des Cacao. C'est lui qui a pour l'héritage. Une fille comme ça, elle se marie, demain n'est pas délivrée. Mais tu es mort. Mm-hmm. Toi, le garçon, tu dors. Ah, ma chérie. Elle te voit abouti. Pendant le temps, tu dois, chérie voit abouti, hein, fumer, qu'elle doit mettre dans son graine, ou manger banane mûre. Quand tu finis, tu as migraine. Amen. Tu veux être délivré. Oui, papa. Ah, toi, tu es dangereuse. Elle peut te donner prostitution. La sorcellerie, c'est terrible, hein? Comment tu trouves. Tu as tué des gens. Qu'est-ce que tu ressens? Papa, je regrette d'avoir fait ça. Il y a les téléphones qui sonnent. Coupez ça, s'il vous plaît. Voici un peu notre spécialité. Ah, le prophète, il fait parler les gens publiquement. Bon, publiquement, est-ce qu'il est délivré? Ah, c'est ça, mais pourquoi vous voyez l'aspect, il fait parler les gens? Il faut qu'elle dise ce qu'elle a fait avant de la délivrer. Non, pourquoi c'est un huis clos? Attendez. Est-ce que les gens ne sont pas délivrés? Ils ne se plaignent pas. Ils ne se plaignent pas. Ce n'est pas des mises en scène. Je ne la connais pas. Vous défendez les sorciers. Quelqu'un qui dit la tuer et puis et vous avez, c'est pour elle là, vous voyez, vous insultez le prophète. Avant les blancs, là, quand tu finis de parler, dit ah, t'as tué, il y a le bûcher. Hein? On t'attache, on te brûle. Le feu du pied jusqu'à la tête. Allez voir sur l'internet, cherchez sur Google l'Inquisition. Vous allez voir le tribunal, comment les gens tuaient les sorciers. On les brûle au bûcher. Mais ici, nous les délivrons. C'est un endroit sûr où les sorciers, même là, quand ils finissent de parler, ils savent qu'ils seront délivrés. Au lieu de nous encourager à éradiquer le phénomène, vous les protégez parce que vous êtes avec eux. Ah, nous ne laisserons pas le combat. Elle l'a tué. Même une personne, c'est grave. La vie humaine est trop précieuse pour qu'une sorcière, instrument de Satan, vienne éliminer une personne parce qu'elle a envie de tuer, elle a envie de manger. Vous voulez que nous laissions les gens mourir? Ah, la sorcellerie. Celui qui dit la sorcellerie n'existe pas, lui, il est agent de Satan. C'est un diable. Tout ce qui est nommé existe. On ne peut pas donner le nom de quelque chose qui n'existe pas. Même les blancs étaient les premiers à combattre. Les blancs les plus incrédules, ils sont ceux qui ont détruit la sorcellerie. Lâche-la. Ah non, quand on vous fait boire bonheur, l'air non sucré, vous dites qu'il faut boire, ça va chasser le sorcier. Je dis qu'il fait ça, c'est un fétiche. Jésus n'a jamais dit buvez l'air non sucré pour être délivré de la sorcellerie. Il dit à mon nom, vous chasserez les démons.
Attends, arrêtez vos conneries. Vous êtes en train de mettre la vitamine quoi B dans le cœur, le corps de sorcier pour aller manger encore. Il faut boire les bonnets rouges et l'eau non sucrée, boire 4 boîtes. C'est ça là qui a délivré les sorciers. Hein? Ce qui délivre un sorcier, c'est la puissance du nom de Jésus. C'est ce que nous sommes en train de faire. Vous plaisantez, hein, le prophète même, il n'utilise pas le nom de Jésus. Toi, tu es diable. Voilà. C'est lui qui m'attaque pour ça. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit non, il n'a jamais utilisé le nom de Jésus. Mais c'est que toi, tu es diable. Je le sais parce que je connais le nom de Jésus. C'est en son nom que je chasse les démons. Sinon, à longtemps, les sorciers m'ont mis à terre. C'est le nom de Jésus. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est en quel nom? C'est le nom de ton papa qu'il utilise pour chasser des démons. C'est pour ça que j'invite tous les ceux qui me critiquent sur les réseaux sociaux. Là. Venez, on va faire une conférence. Venez, je suis libre, je suis ouvert. Venez, j'étais aux États-Unis, babader. Venez. Quand vous allez parler, j'ai envoyé deux sorciers qui n'est pas délivré. J'ai dit, prenez le monsieur. C'est la vérité, je vous dis la vérité. Vous criez sur les chaînes parce que vous voulez freiner le combat que je mène. Vous avez menti, hein. Alors je suis désolé. Je suis désolé. Je suis maintenant venu depuis, ça fait un mois, il dit venez. Ce n'est pas la peine de me critiquer dans mon dos, je suis à ma base. Venez pour dire nous-mêmes sommes partis dans le camp du prophète. Nous avons mené une enquête avec lui, avec son accord, dans les endroits où il est passé. Et aussi notre conclusion. Mais vous vous arrêtez, vous ne me connaissez même pas physiquement. Vous vous arrêtez, vous racontez les choses à la con. Venez. Vous avez mes pieds ici. Je vous envoie quelque part. Amen. Puis elle fait un croisade là-bas, puis il dit dormez dans la maison, vous seul. Si tu as pu terminer ton reportage, tu vas rendre témoignage, toi, papa. Vous êtes là, vous babadez. Les gens sont en train d'enterrer des familles, ils sont en train de tuer les gens, ils sont en train de rendre des personnes fortes, ils sont en train de détruire la vie des gens, et vous voulez qu'on les regarde. Qu'on ait les bras croisés, qu'ils évoluent dans la destruction. Non, nous, là, ça ne se fera pas comme ça. Je vous dis la vérité. Voilà. Montrez-nous les œuvres du diable. Sinon, vous êtes trompé de combat. Le prophète Crasso, il n'est pas du diable. Vous êtes trompé de combat. Je suis désolé. C'est parce que vous êtes serviteur de Satan qui vous m'attaquez. Ah oui? Parce que ce que je fais vous dérange. Je suis en train d'amener les gens à comprendre que Jésus-Christ est au-dessus de la sorcellerie. C'est très bien, les gars. C'est très bien. Ceux qui ont le discernement, ils savent déjà. Ils savent. Je ne divise pas. La preuve, c'est que Awa et sa maman ont retrouvé la paix ici. Amen. C'est des musulmans. Mais la paix est retrouvée dans une église. Parce que j'ai eu le discernement, je suis le don. Mais quand il y a la sorcellerie, je dis la vérité. Comment une fille qui pète sur le visage des gens. Elle devient prostituée, vous voulez qu'on on laisse ça comme ça. Au nom de Jésus, lâche-la. Libère-la. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Que le démon te libère. Que l'esprit de la sorcellerie te libère. Que l'esprit de la sorcellerie te libère dans le nom de Jésus. Que l'esprit de la sorcellerie te libère dans le nom de Jésus. Que l'esprit de la sorcellerie te libère. Maintenant. Pas. Pas. Au nom de Jésus. Allez, feu.
tu la libères. Tu la libères maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Libère. Tu pars. Et tu lâches la vie. Tu pars. Et tu la libères. Mais fais sur toi. Sors d'elle. Va-t'en. Libère-la. Au nom de Jésus. La libère maintenant même. La libère maintenant même. Dans le nom de Jésus. Va. Le nom de Jésus-Christ qui peut déloger les démons des corps. Il n'y a que le nom de Jésus, ce Christ-là, qui peut déloger, chasser les démons des corps. Quand ce nom est prononcé, le royaume des ténèbres s'incline. Parce que ce nom est précieux et puissant. Lâche-la. Tu pars. Je campe à toi. Je compte à toi. Je compte à toi. Et tu pars de son corps. 1.
Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Aucun démon ne peut résister à ce nom puissant. Comment veuillez-vous associer? Je me nomme Thomas Abayeux Kibnet. Quand on a prié tout à l'heure, qu'est-ce que tu as vécu? J'ai senti un fardeau qui était de mon corps. Français, là, c'est trop gros fardeau. J'ai senti un feu qui brûle très fort. Qu'est-ce que j'ai senti de toi? Un feu, le papa. Pour une façon. Est-ce qu'on peut acclamer? Pourquoi les gens parlent? Il faut qu'ils parlent. C'est qu'ils ont fait une vraie vie. Est-ce que Dieu ne sait pas ce qu'on a fait? Pourquoi il demande de confesser? Pourquoi la confession est importante dans la repentance? Pourquoi les pourquoi ça demande les gens? Mais en quoi ça te gêne? Parce qu'on voit l'essentiel, la délivrance. Quand la personne pense qu'elle n'est pas délivrée, elle est délivrée. C'est fini. Ça va? Qui veut parler? Il a fait quoi? Doucement. Tu veux parler maintenant? Hein? Tu es sorti maintenant? Viens ici. Ah, viens. Ton âge, tu as payé. Tu quittes en quatre mains. Quoi mieux gros, mieux rigo bras. Danser. T'es sorcier? Hein? Oui. Il y a une dame qui est là-bas. C'est elle qui m'a donné. Où elle est? Elle est là-bas. Où là? C'est elle qui m'a donné. Toi, mais comment tu as reçu? Elle t'a donné. Puis tu es devenu quoi? Alors, je ne vous ai pas appelé. Comment tu as reçu ça? Elle a vu la nanny. Elle dit quoi? Elle a parlé quoi? Elle dit qu'elle a donné qu'elle n'a riche. Qu'elle a donné qu'elle n'a riche. Attends. Tu t'interprètes quoi? Faut pas dire ça dans ta langue. Faut traduire. Prends le micro. Qu'est-ce que je m'appelle? Faut parler. Bonjour, Françoise. Je m'appelle Françoise. Gatane, Babé. Souaminani. Babé, Souaminani. La moi, Gata m'a donné la bonne série. Ben, quand il a fini de manger, ben, là, ta pièce. Elle vient la nuit. Ben, là, on pourrait. Elle vient en cas de sortir, après, ça termine de finir. Ben, là, elle est là, on pourrait. De faire comment? Et puis, on est parti. Ben, là, bon moment. S'il vous plaît. Et puis, là, ferme. Voilà. De m'accrocher au mur. Ah, de s'accrocher au mur. Voilà. Ben, là, ferme. Ah, il est parti vers le mur. Tu es parti vers le mur. Ben, on peut la dire. Voilà, ici, ça est derrière elle. Ah, quand tu as touché le mur, tu as disparu. Ben, qui est là, c'est parti. Ben, c'est lui, il est là. Elle a dit à Zrelou de donner comme le sang. Ben, ben, non, mais si. Je dis, je ne bois pas. Ben, qui est là, il est donné. Si tu ne bois pas, je te tue. Ben oui, c'est un bien. Elle a dit à la sœur de me donner la viande. Ben oui, Nani. Elle m'a donné la viande. Ben bien, allez. Elle dit de manger. Ben bien, allez-y. Elle dit de manger pas. Bon, il y a sûrement bon. Et là, elle m'a forcé de manger. Bon, ben bien, allez. Si tu ne manges pas, on te tue. Bien, là. J'ai mangé.
J'ai fini de manger. Tu as pu manger, tu as bu le sang. Il faut dire ça, les petits détails, ça prend tout le temps. Voilà. Quand tu as fini, viens. Voilà. Attendez pour toi. On va lui donner une personne afin que tu puisses connaître bien la soeur. Ça, j'ai donné mon mari. Non. Son mari est encore vivant. Je lui ai dit ce qui s'est passé. Voilà. Elle dit pourquoi est-ce que j'ai dit à mon mari, donc elle va me faire quelque chose. Oh, tu as tué combien de personnes? Non, mais elle a tué combien de personnes? Et maintenant, ah, c'est qu'elle dit la femme de traduit. Okay. Et une personne. Ah, c'est faux. Regarde-moi ici, regarde-moi. Quand tu laisses parler, là, c'est parce qu'on a envie de te dire. Sinon, quand tu es ici, là, il sait combien de personnes t'as tué. Regarde-moi ici, regarde-moi. Faut pas venir jouer à nous. Tu as compris? Si tu n'as pas envie de parler, il faut quitter mon centre. Tu as tué 11 personnes, tu me dis que tu as tué une personne. Tu es malade ou bien? Attends, vrai ou faux? C'est pas toi, Élie, tu t'es sorti, tu as dit non? C'est pas toi, Élie. Je te pose la question. C'est pas toi, Élie, tu es sorti, tu as dit non? Réponds-moi. Hein? Et puis maintenant, tu as répondu à l'autre Élie. Demande-lui. C'est pas elle de dire les sorcières, elle dit non, elle voit clair, mais elle n'est pas sorcière. C'est pas elle? C'est la dame qui m'a dit. C'est quoi qu'elle a ou bien? Déjà, elle a tué 11 personnes, c'est pas une personne. Faut pas venir distraire les gens, c'est des gens, tu peux te blaguer. Moi, je peux vous prendre un à un pour vous dire, voyez ce que vous avez fait, voyez ce que vous avez fait. Mais ça vous aide pas? Tu n'as pas envie de parler, donne-moi le micro. Donne-moi le micro. Et puis tu quittes. Faut aller ailleurs. Fais ta sorcellerie. Ah non, 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 laissez-la. C'est pas pour pas la forcer. Quelqu'un qui tue. Toi, tu as forcé de se répentir. Tu me donnes pardon pourquoi? Pourquoi il est délivré? Tu as tué combien de personnes? Tu as tué combien de personnes? Hein? Tu dis de te délivrer. Tu as tué un ou bien 11 personnes. Je te demande ou bien. Bon, vas-y. Vas-y. Hey, monsieur. Faut l'arriver devant moi. Je t'ai délivré. De te délivrer de quoi? De te délivrer de quoi? Tu me demandes pardon de te délivrer de quoi? Mais sauvez-moi. Il y a qu'à te délivrer de quoi? C'est moi qui t'envoie ici. Tu es venu ici pourquoi? Tu es venu ici pourquoi? Alors, mais tu tues 11 personnes, tu dis une personne. De toi, moi qui a besoin de tu as tué combien de personnes? Bon, qui devant moi? Vas-y. Monsieur, enlevez là devant moi. Elle n'a pas parti. Vas-y, vas-y, pour toi. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. Je suis venu, il y a beaucoup de gens qui sont restés là depuis fort longtemps. Hé, hé, je ne veux pas la voir ici. Cette nuit-là, demain, il faut la lever. Elle va aller régler son problème avec Dieu là-bas.
Je ne force personne. Elle n'a pas envie de parler, quelque chose. Voilà. Ils sont en face personne. Allez-y. Je m'appelle Djambana, je suis sortie. C'est la femme de mon père qui mon père m'a donné. J'ai vraiment un rêve. Peut-être venu appeler mon âme, elle m'a vu trois fois. Ma mère avait la société où j'ai mangé. Elle n'a pas réussi à lever la vie, peut-être qu'on a vu de l'aide. Dire que, ah, j'ai ma vie, on a fait pour moi. Maintenant, j'ai pris la soeur, j'ai poussé mon papa. Elle appelle la mère de Kwasi. Je me suis dit, c'est bon, pour aller chez elle. La maladie qu'elle va avoir, elle n'a jamais eu ça. C'est-à-dire, maladie qu'elle ne va jamais guérir. C'est ce qu'elle va avoir. Il y a un autre vieux qui a parlé tout à l'heure. C'est la même chose. Il ne voulait pas parler, il est parti. Il a eu tout partout, il y a égal. De toute façon, tu es venu ici. Tu as refusé de te repentir. Quand tu vas partir, tu vas payer ça. Je ne suis plus dans son affaire. Elle m'a dit non, d'envoyer pour elle. Maintenant, je sais qu'on se fait pour aller prendre la petite soeur de mon papa. Vous avez les jolies petites filles pour enlever sorcellerie. Vous allez blaguer les gens, ils vont tomber sur vous. Maman, tu as quel numéro aussi sur moi? Elle est non limite. Appelle-moi n'importe quel moment. J'ai décroché. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Hein? Oh, il a tremblé. Ou pas ma peur. Il a pris la personne, de mon papa. Elle ne connaît pas son nom, mais elle appelle maman de Kwasi. Donc il est arrivé chez elle là-bas. Je me suis donné un serpent, il était rentré en bas des fachins. En bas des fachins, il y a un coup d'œil, il était rentré là-bas. Je me suis dit son nom, il y a crié son nom. Maman de Kwasi, comme trois fois. Là, son âme s'est levé, donc je suis parti à son âme. Je l'ai soutenu. Ça, maintenant, j'ai envoyé. C'est moi-même, je l'ai tué. Et j'ai coupé, elle m'a couteau. Maintenant, la femme ne m'a pas préparé. Et puis, on a partagé, on a mangé. Là, t'as envoyé qu'elle est partie. Il n'y a plus le but. Elle. Elle est triple, là, c'est à manger. Lui, il a la tête. Maintenant, j'ai une seule personne. J'ai Denise, ma collègue. Jovital, ma collègue. Gisèle, ma collègue. Ceux qui travaillent avec toi. Oui, ceux qui travaillent avec moi. Mais pourquoi toi, tu tues collègue? Je ne voulais pas prendre les membres de ma famille. Donc, je voulais prendre les gens de Dieu, les personnes que je connais. Tu as commencé chez qui d'abord? Et moi, c'est la femme de mon papa premier. Et excuse-moi, c'est la personne de mon papa. Après, maintenant, il s'est arrivé. Tu l'as tué? Oui, je l'ai tué. Lui, elle est morte. Et tu as fait quoi d'autre? Après ça, maintenant, je suis arrivé si le petit frère et si le grand frère de ma camarade s'appelle Kras. Elle a 5-4 ans. Son petit frère, son grand frère s'appelle Kevin. C'est la fille. C'est toi qui chies dans la maison, c'est toi? Oui, c'est moi. Mmh. C'est qu'elle chie dans la maison pour envoûter. Tu te dis pourquoi? On appelle ça Gounini. Gounini. Elle chie. Comment tu as fait? Une fois, on dormait la nuit. Je me suis couvert dans la nuit. Donc, je me suis déshabillé. Je t'ai arrêté au milieu de la chambre. Maintenant, j'ai chié au milieu de la chambre, puis il s'est arrêté. Je voulais faire le tour. D'abord, il a gâté son commerce. Le commerce de qui? Le commerce de ma grande soeur. Mm-hmm. Donc, maintenant, je voulais prononcer le mot sur son mariage. Maintenant. Tu as son mariage? Non, je voulais gâter son mariage, elle m'a attrapé dans ça. Elle a ouvert la porte et puis elle t'a vu. Elle m'a vu tout nu. Près de caca, là. Oui. Donc, quand tu chies, puis tu prononces, ça gâte le mariage. Oui, ça gâte. Gounini. Quand vous êtes à la maison chez vous, les gens viennent et puis ils font des besoins dans le WC petit, mais pas l'eau là. C'est un sorcier. Dès que tu vois, tu es envoûté. Si tu as coupé l'eau, va demander l'eau. Est-ce elle-même qui fait caca, elle ne sait pas que c'est pas bon. Dieu nous a donné intelligence. Tu me t'as enseigné caca, tu as fait là. Ça ne peut pas cohabiter ça. Donc, dans le premier réflexe, c'est aller prendre de l'eau pour verser. Si tu ne fais pas ça, c'est pour quelque chose.
l'éternité, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Lâche-la. Lâche-la. Allez. Lâche-la. La puissance de Dieu. 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 Laisse-moi. Oh, il est fatigué. La puissance. Il est fatigué. La puissance de Dieu. 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 La puissance de Charlie, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Fermez son truc. Pourquoi inviter les gens ici? Le feu. Ma tête va quitter. Ma tête. Oui, sale. Il fait chaud. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. Tu vas la libérer. Maman, ça va, tu es belle. Oui. Il fait chaud. Quel est ton numéro? Jésus, non, l'aimé. Tu peux m'appeler tout le moment. Oui. Mon réseau passe tous les jours. Ça ne manque pas le réseau. Tu vas la témoignage. Oui. Tu vas t'attraper, tu vas la témoignage. Tu n'as pas dit tes yeux gris comme un travail d'un monsieur gracieux. C'est l'imson ou non limite. Moto. Et dans les mousses. Moto. Yo. Fais, hé. Ouais. Y'a feu ici. Voilà. Fais. Y'a feu ici. La puissance du nom de Jésus. Je m'en vais. Fais. Allez, lâche-la. Oui. Lâche-la. Oui. Elle ne m'abattait pas. Au nom de Jésus. Je m'en vais. Lâche-la au nom de Jésus. Oui, je m'en vais. Lâche-la au nom de Jésus. Tu fais 9 heures du temps sur WC. Mon dos, il y a feu. Regarde, ça me brûle. C'est fier. Ça me brûle. Tu es malade, c'est moi, tu as fait sur moi. J'ai fait pour toi aussi. Tu es ta femme, elle t'a rien fait, reste avec elle, tu as compris. Oui. Sinon, tu as un témoignage, une petite fille à te prendre, coco va sortir. Oui. C'est un couche, tu as penché. D'un côté, couche. Comme un pédé.
Donc quand on veut la délivrance, elle a commencé à parler, chacun vient. Il dit, ah, le problème, moi-même, il y a ça. Moi-même, il y a ça. Elle m'a donné. Et puis, ils ont passé là. Mais c'est la fille qui dit pas, non, elle ne fatigue pas. T'es pas où, non? Tu sais, tu es père, on a un poulet. Non! Il y a le chicken dedans, il n'y a pas de poulet braisé. Poisson braisé, non. Elle met des demandes où tu as ta maison est où? Elle est dessus. Tu dis? Mais la fille est belle. Mais témoignage, tu vas rendre après. Là. Témoignage. Anis la sort. Oh, le prophète. Il y a ça aussi. Elle a fait tortiller à lui déjà. J'ai dit comment elle fait dire. Pendant qu'il est six mois là, moi il me transforme. Et puis moi j'ai fait pour lui dans l'us. Il est malade ou bien. C'est moi il va faire. Seulement. Où jouer les sorciers. Amen. C'est qu'elle draguait sa passive. Hein? C'est Fatima, pas pour toi. Maman, ça va? Oui, ça va. Comment tu t'appelles? Allons-y, je t'allons. Tu vas là, témoignage. Un bon témoignage. Elle fait sauter à lui déjà. Vous les voyez, c'est maquillé, les pères. Elle attire. Toi, fuis. Quand tu regardes, fuis en même temps. Tu sais t'attraper. Tu as un témoignage. Tanti Chizan, t'as rien fait pour rester avec elle. Hein? Pourquoi il n'y a pas de problème là même là, c'est là-bas? Vous fuyez. Vous cherchez problème pour envoyer. Pourquoi ces gars sont comme ça? Elle t'a rien fait. C'est tes yeux brillent. Tu vois quand même lampadaire de ses yeux. Ça brille seulement. Elles sont malheureuses, hein? Ça va, quand tu veux, elles s'arrêtent. C'est moi, vous appelez lui. Vous voulez quoi? Je veux ton numéro. Vous voulez mon numéro? C'est moi, prenez le numéro. Si tu attends, moi, faut courir en même temps. Je respecte le réseau Move, c'est le meilleur réseau. Mais on a tous Move ici. Mais on n'est pas Move des archives. Il est mauvais, oui. Dans le nom de Jésus. Oui, il est mauvais, il ne veut plus. Il ne veut plus. Elle va travailler. Oui, elle a ses clients latins. Il y a ses clients latins là-bas. Elle va faire un cheveu. Elle va faire un cheveu. Oui, il est mauvais. Oh, il est mauvais. Oui, oui. Oui, oui. Oui, il est mauvais. Il est mauvais. Ma patron m'attend. Il est mauvais. Il est mauvais. Il est mauvais, oh. Oui, 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 oui. Ma patron. Elle m'attend. Oui, oui. Elle m'attend. Le client m'attend. Tu fais ta bouche. Oui, oui. Fais ta bouche. Oui, oui. Tu fais ta bouche et tu pars. Sors. 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 Voilà. Respire, attends, est parti. Laissez-la, laissez-la. Il est mauvais. Oui, il est mauvais. Oui, il est mauvais. Oui. Oui. Ta clé l'attend. Ta clé l'attend. Ta clé l'attend. Elle va coiffer. Elle va coiffer. Elle va coiffer ses clients. Va. Oui. Elle va coiffer ses clients. Elle va le coiffer. Va. Elle va le coiffer. Tu fermes ta bouche et tu pars. Oui. Voilà, va-t'en. Je m'en fais. Je l'ai battu. Je vous donne bonheur, vous en dites, buvez les noms sucrés, ça va chasser ça aussi. Oh. Vous engraissez les gens. C'est bon, les noms sucrés qui a à boire. Tu as beau dire ou bien. Ouais, protéines, merci. C'est la bâtiment qui a trouvé, protéines. Comme ça, ils vont bien s'envoler la nuit. Vous jouez sorcellerie?
Voilà, tu pars de Fitinou. Oui, mon frère. Voilà, c'est un beau, il m'a fait. Elle m'a confié cette mienne. Mon frère m'a confié cette mienne. Tu fermes ta bouche et tu dégages. Dégage. Oui. Libère-la. Oui. Libère-la. Oui. Je te cloue au sol. Oui. Aïe! Je te cloue. Oui. Je te cloue au sol. Oui. Je te cloue au sol. J'ai un dos là, mais oui, l'un de l'autre. Je te cloue. L'un de l'autre. Je te cloue au sol. Tu fermes ta bouche et tu pars. Je compte à toi et tu pars de ce corps. Je compte à toi et tu pars. Un. Deux. Voilà, l'esprit va maintenant. Trois. Il s'est parti. Oui, il s'est parti. Il s'est parti, t'es sorti. Je m'en vais. Voilà, va-t'en. Oui. Va-t'en. Laisse-la, laisse-la, laisse-la. Laisse-moi la route, oui. Je te cloue, tu bouges plus. Tu bouges plus. Tu fermes ta bouche. Je te cloue. Tu bouges plus. Il faut acheter parfait. C'est ça qui peut chasser Dieu. Alors, c'est. Après, j'ai un banane. Après, j'étais sauvée. J'ai été plusieurs fois des jeux. J'ai gâteau fouillé des jeux. Maintenant, comme si j'étais libre. C'est comme si j'avais fait derrière mon tour. Ça attaquait mon tour. Il y avait une chaleur dans ma tête. Même le premier jour que je suis rentrée ici, chaleur a frappé derrière ma nuit. Mais j'étais pas des chaleurs. Au début, je voulais me dire, vous avez arrêté de vous. Mais quand je m'en tape, dis la vérité, à mettre les enchaînés. Mais je demande merci à Dieu, à mettre ça sur ses bouteilles et à mettre sur les Oh!
tournée européenne commence dans le mois de novembre. Et cette tournée, j'aurai beaucoup de personnes avec moi. Je ne serai pas seul dans cette tournée. Je viendrai avec mes éléments et ça sera du balèze. France, Belgique, Hollande, la Grèce, 11 pays européens. Ça sera du balèze. Ce n'est pas de l'amusement. J'arriverai bientôt pour une tournée européenne. Et je viendrai avec une équipe cette fois-ci. Et ça sera vraiment du balèze. Et la gloire reviendra à Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Montréal, très bientôt, je vais donner la date de Montréal, j'arrive aussi au Canada, très bientôt, dans quelques jours, je vais annoncer, je vais donner la date définitive, la date auquel j'arrive à Montréal. Ça nous ça permet à nos parents, vos parents qui sont de l'autre côté, nos bien-aimés, qui ont peur de venir en Afrique, d'avoir cette assurance et de venir en Afrique, afin de pouvoir investir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et désormais, j'ai aussi une agence de communication, qui est Barou Communication, qui l'avons déjà mis en place le 9. Nous faisons le lancement officiel de Barreau Communication. Barreau Communication, c'est en même temps studio d'enregistrement, c'est en même temps une salle de répétition, et c'est en même temps une agence, n'est-ce pas, événementielle, l'organisation des mariages, des cérémonies. Si vous voulez avoir une voiture en location, vous appelez Barreau Communication. Si vous voulez avoir un terrain ici en Côte d'Ivoire, contactez Barreau Communication. Si vous voulez avoir l'achat d'un terrain, Barreau Communication. Vous aurez bientôt les détails le 9 septembre devant la presse nationale et internationale. Nous avons pensé à vous. Je suis le PDG de cette société et ça me permet aussi de créer l'emploi à nos bien-aimés. Il y a des personnes qui ont, la licence en communication, ils n'ont pas d'emploi et on a recruté les meilleurs et aussi pour satisfaire la diaspora. Permettre à nos bien-aimés d'avoir une maison ici, n'est-ce pas, d'avoir aussi des entreprises, d'avoir des affaires. Vous voulez rentrer en Côte d'Ivoire, vous voulez connaître la Côte d'Ivoire, vous rentrez en contact avec Barreau Communication. J'en profite pour demander, j'ai besoin de deux personnes qui ont fait marketing. Voilà. Ceux qui ont BTS en marketing, deux personnes qui ont le BTS en marketing, vous pouvez déjà me contacter. Déjà, vous pouvez appeler le 47-07-23-28 ici pour dire j'ai un BTS en marketing. On peut déjà vous prendre parce que j'ai besoin de deux personnes. On entend de recruter des gens. L'Église a la possibilité de créer l'emploi aux gens. C'est pas, on peut créer des emplois. Il faut aider les gens. Il faut, n'est-ce pas, promouvoir l'Évangile, non seulement ça. Il faut permettre aux gens, n'est-ce pas, d'être assis. Amen. Amen. Voilà, que la gloire. Maintenant, vous voulez, n'est-ce pas, organiser des spectacles. En fin d'année, d'ailleurs, Barreau Communication va vous révéler les talents les plus cachés dans le domaine du gospel. Parce que la musique chrétienne, elle est pratiquement éteinte. Nous vendons les meilleurs, nous vendons les plus, les CD. Mais ce milieu-là, il est vraiment pourri. Excusez-moi pour l'expression. Nous sommes en train de prendre, relever un défi, relever les gens les plus cachés, les talents les plus cachés. En fin d'année, nous allons organiser un grand spectacle gospel ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc ceux qui ont voulu créer un album, le Barreau Communication vous prend en compte, c'est-à-dire depuis l'enregistrement de l'album, la promotion. Et puis même la duplication des CD, nous avons la possibilité de vendre même les CD, de les dupliquer. Donc, c'est une balèze à faire. Merci pour votre prière. Que le Seigneur bénisse. Et Barreau Communication, c'est aussi la production d'audiovisuel. Nous faisons aussi les clips vidéo, les films, les clips vidéo. Et si vous voulez aussi, n'est-ce pas, et en Barreau Communication, très bientôt, nous aurons une chaîne de télé en ligne. Et très bientôt, nous faisons le lancement officiel le 9 septembre. Que la gloire et l'honneur au Seigneur. Les chrétiens doivent entreprendre. Je vous encourage à entreprendre. Faites l'entrepreneuriat, c'est important. Ne laissez pas tous ces domaines aux païens. Et il y a des bien-aimés qui ont des diplômes en communication audiovisuelle qui sont là. Bien-aimés, commençons à entreprendre parce que nous sommes les enfants du royaume, celui qui devons posséder le monde. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dis à quelqu'un te bénisse. Dis à quelqu'un te bénisse. Jacques, quelqu'un, tu es béni. J'arrive la semaine prochaine au Gabon. Je serai à Libreville la semaine prochaine. Voilà. Je voyage seulement. J'arrive la semaine prochaine à Libreville. Les enfants sont un trésor. Bientôt la rentrée scolaire. Je vous encourage à aider les enfants à l'école. Voilà. Bientôt nous allons lancer ici encore. Comme d'habitude, nous avons l'habitude de scolariser 1000 enfants.
donner les kits scolaires et très bientôt. Nous, nous luttons pour que les enfants soient éduqués. Voilà, ma fondation que j'ai, la fondation Prophète Joël Krassou, Espoir de vie, nous avons un orphelinat. On apporte le soutien aux veuves et en même temps, nous sommes aussi dans le domaine d'éducation. On permet aux enfants d'aller à l'école, on leur donne les kits scolaires et très bientôt la rentrée scolaire. Si tu as un enfant, il faut le motiver déjà, il faut d'abord l'aider. Les enfants, vous voyez, sont des trésors, ne jouez pas avec tes bien-aimés. Si vous négligez un enfant, il sera demain, il va vous se retourner demain contre vous. Et ne soyez pas surpris s'il vous braque. La première personne à attaquer, c'est vous. C'est ce qu'on sème pour l'école. Ne soyez pas surpris. Si vous sèmez la bonne chose dans l'enfant, qui est l'éducation, l'enfant sera le meilleur demain. Rien ne s'improvise dans la vie, c'est ce qu'on sème qu'on récolte. Amen. Amen. Voyez les enfants, aimez-les et investissez-vous dans les enfants. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Attrapez vos enfants, donnez-les de bonnes paroles à l'oreille. Parce que souvent, ils ont besoin de ça. J'étais à Lomé, j'ai pratiquement coulé les larmes. Quand j'ai vu des enfants vraiment méprisés, abandonnés, difficultés, j'ai coulé les larmes. Parce que nous, les Africains, l'enfant vient au second plan. On ne le considère même pas. J'ai rencontré une histoire comme ça. J'ai dit, j'étais à New York, j'allais faire la délivrance d'une maman Doula. La maman, elle veut regarder YouTube. Elle veut monter une vidéo d'une jeune fille Doula qui a été délivrée, devenue de la Suède, qui a été délivrée. Donc, la vidéo, elle regarde ça constamment. Elle clique sur le truc, ça passe pas. Et puis, j'ai regardé, le petit est assis, l'enfant souriait. Et j'ai dit, maman, non, il faut donner la commande au petit. Elle est née. J'ai dit, oui, née. Elle est blanco. J'ai dit, blanco. Blanco, là, je vous le petit qui n'est pas si conscient. Blanco, Denis, il dit, donne à Blanco, Denis. C'est-à-dire, elle est à New York et puis elle est tout là dans la tête. Elle voit, oh, petit, là, c'est un Américain. Toi, tu vois un Blanco, Denis, mais il est dangereux quand il sort. Donc, j'ai donné la commande à l'enfant en 2 minutes, on a positionné la vidéo. Elle dit, hein? J'ai dit, c'est comme ça. Puis j'ai donné mon téléphone. Le petit a pris, il est rentré sur mon site. Je lui ai donné le nom de mon site. Papa, sur Google. J'ai dit, tu as vu. Faut pas négliger Blacklo. Blacklo, il est plus dangereux que moi, il est plus dangereux que toi. Elle est voir Blacklo, elle dit, Blacklo. Elle dit, donne à Blacklo. C'est lui, Blacklo, tu connais pas. Là, ici, en Amérique, ils connaissent tout. Ils connaissent Internet, ils connaissent tout. Ne négligez pas les enfants. Approchez les enfants, parlez avec eux. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont bonnes en eux. Amen. S'ils deviennent mauvais, c'est à cause de nous. Amen. Amen. Si vous les rendrez aigris, vous les rendez, parce que manque d'affection, ça peut rendre un enfant bizarre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même si les sorciers envoyaient les sorciers délivrer. Amen. Il y a un endroit où on délivre les enfants sorciers. Pas sorcier. Amen. Si les sorciers envoyaient ici, on va les délivrer. Bientôt la rentrée scolaire, je vous encourage. Envoyez les enfants à l'école. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Amen. Vous voulez délivrer? Qui doit être délivré? Viens sorcier. Toi, tu viens de où? Elle est venue avec qui? C'est vous qui l'avez fait venir? Comment elle s'est retrouvée ici? Bon. Abidjan, j'avais pour voisin un homme de Dieu. Moi, je ne savais pas. Ma soeur était matriculée sur la chambre d'eau. C'est comme ça qu'il m'a fait venir à côté de moi parce qu'elle était à la porte d'une carte d'examen au CM1. Donc, l'homme de Dieu a eu à dire à la femme avec qui il vit ma femme, parce que notamment elle parle avec la mort et tout. Et c'est comme ça, l'homme de Dieu a eu à dire à ma femme. Enfin, on dit, ah, lui, il a dit, moi, il aime sa fille, c'est lui, il va pouvoir croire à ça. Elle a mis du temps même, elle a mis plus de 5 mois. Un jour, elle a pris le courage à deux mains, puis elle a eu à me dire ça. Sur le champ, en tout cas, il n'a pas supporté. Je peux faire une semaine même sans manger. Parce que je ne voulais pas le samedi, je n'aime pas la société. Oui, c'est clair. Voilà. Donc, il fait une semaine pratiquement sans manger. Elle m'a encouragé pour manger, que ça va. On peut faire ça à l'église. À l'église, on peut la délivrer. En tout cas, à l'église, on va à l'église même. Elle va à l'église, ou même les puits du soir, même là, on reste à l'église, elle va. Mais le Dieu dit, il faut qu'elle confesse. Maintenant, elle ne voulait pas confesser. Même je lève, quand je lève ma mère, elle dit, papa, elle est partie confesser chez papa. Quand elle va là-bas, elle m'a fait le travail, elle dit que non, elle est partie en arrière. Tu fais quel boulot? Bon, je suis commercial PIS. Je suis commercial PIS. À vivre l'énergie. Vous voulez délivrer? Papa dit que vous n'avez jamais confessé. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour être délivré? Vous reconnaissez la sorcellerie?
Je reconnais que tu es sorcière. Oui, oui, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Je veux confesser. Ben, on t'écoute. Il t'a senti trop. Maintenant, quand où est que tu as fait le seul deux, maintenant, la grand-mère de mon papa. Vous permettez qu'on qu'elle parle? Maintenant, la grand-mère de mon papa. Elle voulait avoir mon papa. Maintenant, quand mon papa était auprès d'elle, maintenant, comme elle a vu comment était là-bas, là, maintenant, elle voulait passer par moi pour détruire mon papa. Maintenant, elle est partie là-bas, c'est la seule m'a initiée. Comment elle a fait pour t'initier? Elle était là-bas, à ce moment-là, elle ne savait pas. Elle était innocente. Donc, elle était attachée à elle. Tout le monde qu'on lui donne, elle m'invitait, elle me prenait bien. Elle m'invitait en mangeant ensemble. Le premier jour, on lui a donné une nourriture, c'était oui. Elle sortit, puis elle avait vu les mêmes poissons. Et puis, elle m'a donné de manger. Maintenant, la nuit, et là-bas, c'est une poussière, elle aussi était sorcière. Donc, la nuit, elle me réveille. Elle m'a réveillé qu'on n'a qu'à partir. Maintenant, elle est partie maintenant. Elle m'a donné que de l'eau, que de manger. Puis, elle m'a donné son. Elle m'a dit que qu'est-ce qu'il y a mangé là? Et c'est pas grave, puis comment j'ai remboursé. C'est dire. Maintenant, il y a ma tante là, elle là-bas, là. Elle s'appelle Tante Henriette. C'est elle qui a donné première. Tu lui as donné, tu as donné. Elle vous connaissez Henriette là? Oui. Ok. Ils l'ont tué, tu l'as tué. Comment? Elle dormait dans sa chambre. Maintenant, elle, elle laissait son argent, puis elle voyageait. Comme elle n'avait pas de bœuf, elle donnait son argent à ma tante, pour que ma tante. Elle n'a pas de propre pour derrière elle. Elle va lui donner l'argent. Là, elle va vendre. Elle va lui donner l'argent. Maintenant, ma tante, comme elle est occupée, elle avait marqué. Donc, elle a donné l'argent à la petite fille sorcière. Là, pour que la petite fille paye pour venir vendre. La petite fille a pris l'argent pour que Pierre pour le voir ça. On laisse ça là-bas. Maintenant, quand elle est là-bas, on prend l'argent, on met ça sur que Pierre met le feu dessus. Non, comment tu l'as eu? On la voyait. Maintenant, quand je vais dormir. Je suis partie, elle m'a dit, transformé en tout, on sait bon. C'est parce qu'on va les attaquer, on va les apprendre là. Je suis partie, elle tombait. Et je me suis transformée en l'homme maintenant. Puis elle criait son nom, Henriette, trois fois. Puis son âme est venue, puis je suis partie ça. Elle transformait son âme en mouton. Et puis elle l'a tué. Ça m'a comme elle dit que je sais qu'elle est forte. Comme il l'a tué là, elle va me donner tout encore qu'elle allait tuer encore. C'est ça, elle a tué cinq personnes. Il a tué mon cousin, le fils de mon oncle, il s'appelle Josaphat. Lui, il était avec une maladie. Maintenant, elle pense à sa maladie, elle s'est calmée. Maintenant, moi, maintenant, comme il voulait le tuer, il a fait tenir sa maladie. Maintenant, il l'envoie chez les guérisseurs, ça ne passait pas. Ça, il l'envoie au village, le guérisseur, elle est décédée en tissant. C'est toi qui l'as tué. Tu as gâté qui? Maintenant, il a tué un tonton. Lui, il était. En état à son de travail, lui venait voir le maquis de ma tante là. Maintenant, comme elle était intelligente, elle était attachée au monde, elle me donnait l'argent, mon voyait. Dans l'argent, elle a eu son mal. Et puis, il a tué dans mon poisson. Hein? Comment tu as fait? Et lui, il avait un bois. Il y a un bois bien. Jonamé. Il tombait à la maison, il tombait dans les maquis. C'est ça, un jour, une nuit, j'étais à mon boisson, puis je suis venu, je me suis transformé en magia. Puis il a caché dedans. Puis il a bu, puis il est mort. Tu as fait quoi encore? Maintenant, mon papa, je suis venu chez lui ici. Quand je suis venu chez mon papa, il était à San Pedro, à Bidjan, je suis venu. Maintenant, elle m'a dit que quand il a tué mon papa là, puis il a tué ma maman là, qu'il ne me fournit rien. Maintenant, je suis venu, maintenant mon papa, il a pris une femme là, elle était chrétienne. À cause d'elle, quand elle fait les choses contre mon papa, là, ça ne fait pas. Donc elle a mis la colère dans le cœur de mon papa, pour que quand on est comme ça, ils vont faire pas là. Là, quand c'est comme ça, elle va se fâcher. C'est ça. Et puis elle va crier. Donc elle chauffe son mort. Là, comme ça, il met la colère. Là, comme ça, tout ce qu'elle va dire. Chacun a compris où? Hein? On a compris. Là, comme ça, quoi? Je suis venu, de temps en temps, quand je donnais l'argent, il m'envoyait ça de l'eau quand on va payer, peut-être à l'école. Il me déjeunait qu'il me donnait, à des fois au bout, à des fois au bout, il m'avait ça là-bas. Et puis, on a mis ça dans le canapé. On vous donne l'argent, c'est problème. On vous donne pas, c'est problème. Tous les sorciers. On vous m'attend, on vous m'attraite.
Je sens que la petite veut se débarrasser. Ouais. Tu sais pourquoi elle ne veut pas parler? Elle ne voit pas une solution là où elle s'en va. Ils savent. Ils vont se confier à toi. Bon, et après. T'es sorcier. Non, il ne peut pas. S'il ne sent pas une assurance. Parce qu'après les aveux, il faut que la personne soit délivrée de la sorcellerie. Si elle ne sent pas ça, elle ne se confie pas. Maintenant, pour son argent. Maintenant, elle va. Ouais, ça va aller. Je sais que tu aimes bien ta fille. Tu as vu que la fille, ça dépend plus d'elle. Alors, on va l'aider. Okay. Allons-y. Ton papa t'aime beaucoup. Hein? Hein? Moi, je confirme qu'il t'aime beaucoup. Il est choqué d'apprendre qu'une personne qu'elle aime le plus vive ça. Tu vois, c'est choqué. Vas-y. Maintenant, mon papa, son frère. Donc, il m'a dit que je suis maman. Donc, comme moi, j'ai dit, je prépare. Et maintenant, il a initié sa fille. Ah, toi aussi, on t'a initié, puis t'as l'initié. Hein? Pour que tu aies... Maintenant, il a initié sa fille. Maintenant, quand il fait sa fille, il l'a programmé. Il m'a trouvé. Maintenant, il l'a programmé pour descendre. Le 24 décembre, il doit mourir dans le site. C'est qui vient là? Tu veux être délivré. Je suis. Tu veux laisser la sauce venir? Non, il n'y a pas la foi. Ton âme. Je proclame vaincu la sorcellerie dans la vie de cette fillette, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de la sorcellerie, je la libère maintenant. Maintenant, là, tu la libères. Tu libères son âme, tu libères son esprit. Tu libères son âme et tu libères son esprit. Parce que c'est bien. La puissance de Dieu. Comment ça passe? La puissance de Dieu. Reste là, reste là. La puissance de Dieu. Lâche-la. 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 Tu vas quitter son esprit. Et tu vas la libérer dans le nom de Jésus. Libère-la dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit de la sorcellerie qui habite ce corps, je m'adresse à toi. Tu la quittes maintenant. Va-t'en. Va-t'en. Sortir avec toi en sorcellerie. Hein. Elle t'a déjà dit ça? Elle a dit ça, comme elle n'a pas fait ressortir ça, tu chutes. Elle a dit ça au pasteur. Sinon, elle sort avec toi, c'est ta femme. Elle t'est épousée en sorcellerie. La puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Va! Manifeste-toi. Quitte ce corps dans le nom de Jésus. C'est un ordre. Tu vas partir et libérer sa vie. Ton règne prend fin dans ce corps maintenant. Oui. Oui. Ton règne prend fin maintenant. Désormais, c'est l'Esprit de Dieu qui régnera dans elle. Il prendra le contrôle de sa destinée, de son corps.
maintenant même, pars. Pars. Allez, fichez-toi. Allez, donnez de vilaines choses aux enfants. Sorcellerie, c'est pas un bon truc, non, c'est pas chocolat qu'on mange pour donner à un enfant. Les enfants qui aiment demander là. Tanti, tanti, donne-moi mon photo là. Viens, prêt. Bon photo là, elle fait ça, vrai beau photo. Tu as bien mangé beau photo. Tu quittes là, tu vas rendre témoignage. Fais! Allez! Les enfants n'aiment pas voir manger dans la main des gens. Ils luttent même dans la maison, la main de son papa, sa maman. Hé, hé, maman, hé, hé. Elle a pas envoûté, possédé. La maman te le tue. Pain sucré. Pain sucré. Pain sucré, là, c'est ce qu'elle va te donner. Vraie vieille viande, là, tu as mangé. La nuit, vous allez vous retrouver là-bas. Ce que tu as mangé, là, rembourse pour moi. Allez, donc pour moi. Maintenant, ta peau, maman, celle que tu cherches maintenant à prendre, va la manger, elle soit grêle. Fais! C'est pour cela que déparasiter les enfants. Vous avez compris? Déparasiter-les. Ah oui, chaque 2 mois. Notre rôle là, c'est polio. Déparasiter les enfants. Chaque 2 mois, comme ça, ils mangent moins. Sinon, ils vont manger jusqu'à quand ils vont aller manger de l'autre côté de la nuit. Pendant que vous dormez, ils mangent. Ils continuent de manger. Fais! Va-t'en. Va. Va. C'est une lutte entre la puissance de Dieu, entre la puissance de Dieu et les forces du mal. Une lutte entre la puissance du Saint-Esprit et les forces du mal. Et l'esprit, les démons sont plus à l'aise dans le corps humain. Donc du coup, il ne peut pas partir, c'est une lutte. Amen. C'est pour ça que par moi, il faut insister quand tu fais la délivrance. Il faut insister. Alléluia. Tu vas partir de ce corps. Sauf cela que de l'air non sucré ne peut pas délivrer un possédé de la sorcellerie. Ne vous trompez pas. Ne jouez pas les choses spirituelles. Ne jouez pas. Si vous devez donner la protéine à un sorcier, donnez ça la protéine. Mais ça ne chasse pas un démon. Ni un parfum. Ni eau bénite. Il dit à mon nom, vous chasserez les démons. On peut faire une action prophétique. Ok, je peux comprendre. Mais chasser un démon, c'est le nom de Jésus. Vous devez utiliser, ordonner à ce démon qui est dans le corps de partir. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et au nom de Jésus, bien sûr. Sors! Va-t'en. Va-t'en. Voilà, va-t'en. Voilà. Sors! 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 Tu pars! Pars! Quitte! Sors! Lâche-la! Lâche-la! Tu pars et tu la libères. Va! Va! Va, je compte à 3. Je compte à 3. 1. 2. 3. Va. Laisse-la, laisse-la, laisse-la. Va. Laisse son pied, laisse son pied. Je te cloue au sol. Je te cloue. Voilà, je te cloue au sol. Bouge plus. Tu bouges plus. Je te cloue au sol. Je te cloue au sol. Je te cloue au sol. Tu ne bouges plus. Esprit impur. Tu ne bouges plus. Voilà. Et va. Pousse ton dernier cri et va-t'en. Voilà. Tu ne bouges plus. Tu ne bouges plus. Tu pars. Aïe.
Aïe. Voilà, va-t'en. Sors. Sors. Tu bouges plus. Et tu sors. Voilà, dégage. Libère-la. Tu vas. Mais tu la libères. Voilà. Tu la libères, tu pars.
force, une force qui est à nous. Tous ces lèvres sont en gêne. Pourquoi elle m'a laissé? Elle-même, parce qu'elle peut être culpabilisée par ça. Oui, parce que je la sentais en train de regretter, plein de remords pendant qu'elle faisait des aveux. Ouais, parce que par moment, quand on finit de délivrer les gens, toi, sorcière, non, c'est pas un nom qu'on doit coller à quelqu'un. Elle a dit qu'elle était sorcière, je pense qu'elle vient d'être délivrée, c'est fini. Voilà. Voilà. C'est fini, il faut commencer à l'aider, il faut commencer à. Beaucoup d'affection sont des cas. Il faut éviter de rappeler le passé. Voilà, pour ne pas qu'elle soit affectée par ça. Voilà. Ça va? Tu es délivré. Ça va? Ton papa t'a beau. Tu as quelle classe? Wow. Tu as quel âge?
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Hein? La rentrée, c'est quand? Hein? Où est la secrétaire? Où est la secrétaire? Je vais faire un cadeau. Alléluia. C'est vous. Celle dans sa vie, tu diras meilleur, meilleur, meilleur. Ouais. Je vais te donner tout à l'heure mon contact et tu vas la suivre. 11 ans, elle a 11 ans ensemble, en 5 ans. Alléluia. Est-ce que tu as compris un peu? Elle a 11 ans, elle passe en 5e. Il y a 16 ans ici qu'on fait 5 fois CMA. Il y a des gens qui n'arrivent pas à 6e. Il retourne sur moi. Il tourne sur moi. Elle a 11 ans. Elle passe en 5e. C'est pour cela que j'encourage son papa à l'aider. Parce que c'est important, il faut qu'on l'aide. Ils sont chers, mais ils gardent, ils sont mauvais, hein. Fais chier là-bas. Amen. Allez, on assoit. Que Dieu bénisse. Amen. Ah, vraiment, je suis très content. Une vieille petite fille de 11 ans, tu as elle est passée, c'est qui 13 émoïdes, c'est ça? Ah. Il faut qu'on la suive. Voilà, on la suive. Amen. On lève les mains. J'aime encourager l'éducation. J'aime que les enfants soient bien éduqués. Il faut les envoyer à l'école. Il faut motiver les enfants à l'école. C'est important. Leur place n'est pas dans la rue. Leur place n'est pas à la maison. Leur place n'est pas dans le champ. C'est leur place à l'école. Il faut les aider. Il faut aider les parents à scolariser leurs enfants. Ça, c'est important. Nous allons prier et demander au Seigneur. Tu as dit au Seigneur de te libérer ce soir. Prie le Seigneur avec moi. Prie. Demande au Seigneur de te libérer ce soir. Pour faveur qui t'a conduit ici. Ce fardeau qui t'a conduit jusqu'à ici. Hein, ce qui t'a conduit jusqu'à ici. Demande au Seigneur de te délivrer de ce fardeau. Et sa puissance vient te libérer. Fardeau, c'est toi tu me libères. Fardeau de la sorcellerie. Toi tu me libères. Fardeau, je vous jure. Tu les auras servi des dégâts de ma vie. Recevez la délivrance ce soir. Seigneur, libère ma vie de l'échec. Seigneur, libère ma vie de l'esprit de mort. Seigneur, libère ma vie de l'esprit de mort. Seigneur, libère ma vie de mon Le feu, comme sous ta gueule, le feu, et merci pour le feu.
Je te libère ce soir. Par la tête de Dieu, Seigneur, libère-nous.